Rebonjour tout le monde, re-bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la deuxième partie de la maison des maternelles avec Benjamin qui nous a fait un super JT. Si on veut le revoir sur France.tv, de quoi on a parlé? On a parlé de gestation pour autrui avec un témoignage très émouvant d'un papa qui nous a raconté comment il a procédé en Californie. On a parlé des écrans aussi, où Arnaud nous a engueulés tous parce qu'on met nos enfants devant les écrans. On s'est fait buter les gars. Justement, Dr Furzorf, aujourd'hui on aborde un sujet que n'osent pas aborder les parents et ça c'est vraiment bien dommage, c'est décaloter le zizi quand on a des petits garçons. Oui, alors c'est vrai que dès la naissance, quand on examine le bébé maintenant, on a pour habitude d'en parler spontanément. Mmh. On examine l'enfant, on utilise les bons mots aussi, c'est vrai que zizi, mais on utilise le mot pénis, parce que c'est un pénis, c'est le mot qu'il faut utiliser. Vous dites pas ce boob. Oui, bon, on peut avoir d'autres mots, mais enfin... T'imagines le médecin? Alors, oui. Décolleté le zboub? Oui, bon, là, ça démarre mal. Bon, Agathe, un petit... Ça, c'est pas moi, c'est Benjamin qui, tout à coup, met le truc en contexte. La vanne suffisait, elle était déjà de trop. Alors, merci beaucoup, docteur, on a bien compris. Ce dont on parle tout à l'heure, parce qu'à autre chose, grâce à Marie-Père Arnaud, notre sauveuse, ce matin. Oui. Mon petit chou, les avec vous, on parle d'aucun rapport. De chaussures, voilà. Désolée, les premières chaussures de nos bébés, comment bien les choisir, à quoi il faut faire attention quand on est dans un magasin. Et puis surtout, ça a bien changé par rapport à ce que nous, on nous recommandait quand on était petits. Donc voilà, à noter. Et puis, docteur Furzorf, vous allez laisser votre place dans un instant à une très grande sage-femme qu'on aime particulièrement ici. On va parler de l'envie ou pas des parents de connaître le sexe de leur bébé pendant la grossesse. Qu'est-ce que ça change de le savoir? Et vous savez, sur tous ces sujets, vous pouvez réagir sur la panoplie de réseaux qu'il y a, Facebook, Instagram, Twitter. C'est l'heure de partager. Si la... Marie a dit « Auf Wiedersehen » au docteur Furzorf. Si la majorité des couples veulent aujourd'hui connaître le sexe de leur enfant dès le premier trimestre de la grossesse, il y a une minorité qui choisit de garder la surprise jusqu'à la naissance. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? C'est ça qui nous intéresse dans les projections parentales, dans la façon d'accueillir son bébé et puis aussi dans la façon de l'élever. C'est finalement une question complexe à traiter tout en finesse avec nos invités Chantal Birman, que vous connaissez très certainement si vous suivez la Maison des Maternelles et avant ça, les maternelles. Bonjour Chantal. Bonjour. Avant ça, vous êtes sage-femme, je le rappelle, depuis 40 ans. Vous avez longtemps exercé à la maternité des Lilas, vous êtes aujourd'hui en libéral et vous êtes l'auteur d'une Bible que je recommande à tout le monde, qui m'a fait pleurer, mais vous savez, les bons pleurs, les pleurs de l'humain, quoi, les pleurs quand on va chercher au tréfond de sa sensibilité. Ça s'appelle « Au monde, ce qu'accoucher veut dire » aux éditions Point. Et puis si vous voulez tout savoir sur la préparation à l'accouchement, si vous avez la flemme d'aller faire des préparations, ben, y a déjà ça, et ça c'est super, c'est un DVD de Chantal aussi. Merci de revenir nous voir, Chantal. Avec plaisir. À vos côtés, il y a Hélène. Bonjour Hélène. Alors vous êtes la maman d'Anatole qui a 4 ans et demi et de Léonard qui a 10 mois. Lors de votre première grossesse, vous vouliez connaître le sexe, mais la seconde grossesse, vous avez choisi de ne pas demander le sexe de votre enfant. Vous allez nous expliquer pourquoi. On a besoin quand même de comprendre un peu votre cheminement. Pourquoi est-ce que vous vouliez connaître le sexe de votre bébé déjà lors de la première grossesse? Pourquoi cette envie de savoir? Bah déjà, on était super curieux. On s'était même pas posé la question, en fait. On a attendu un peu d'avoir cette grossesse. Donc, une fois qu'elle était là, on avait envie que ça devienne vite réel, de vite imaginer notre bébé. Ce qui fait que, dès la première écho des 3 mois, on a tout de suite demandé est-ce qu'on peut avoir une petite estimation. C'est vrai que parfois, on peut savoir dès 3 mois. Mais c'est ça, l'échographiste nous a dit, bon, je vous donne un pourcentage, 70% de chances que ce soit un garçon. Ce qui s'est révélé juste par la suite. Et voilà, ça nous convenait comme ça, on ne s'est pas posé la question de faire autrement. C'est ça, de toute façon, on est enceinte, on connaît le sexe de son enfant. Chantal Birman, c'est plutôt la tendance à connaître le sexe, vous diriez, aujourd'hui? Ah oui, oui. Alors, j'ai essayé de voir s'il y avait des études là-dessus. J'en ai pas trouvé, mais moi, à la louche, je dirais que c'est entre 80-90%. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est dans les groupes de préparation, quand on a des femmes... voilà, la plupart, évidemment, connaissent le sexe. Et quand, au milieu d'elle, il y en a une qui ne connaît pas le sexe, immédiatement, et ça, c'est très intéressant, les autres disent, mais comment ça se fait? Enfin, c'est, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on puisse demander à ne pas savoir le sexe? Ça devient... La question, c'est plutôt, comment ça se fait qu'elle n'a pas demandé le sexe? Ben, ça, alors, très bizarre. Très bizarre. Qu'est-ce que ça a changé, le fait de pouvoir... Ben, ce n'était pas le cas de ma mère, par exemple, ne pouvait pas connaître le sexe de son bébé. Qu'est-ce que ça a changé dans le vécu de la grossesse? Je sais, je suis vieille Benjamin Muller, je vous entends. J'ai rien dit, pour une fois, j'ai rien dit. Insupportable, les pensées trop fort. Ce,
que ça a changé, moi, je dirais, c'est le fait que l'annonce du sexe, c'est perdre un enfant, quelque part. Parce que quand on est enceinte et qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, ben, on est enceinte des deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est enceinte d'un garçon, des moments où on est enceinte d'une fille. On ne sait pas aujourd'hui, d'ailleurs, cette construction psychique qui va de l'un à l'autre, dans quelle mesure, après, sur l'enfant, ça construit réellement un individu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, le fait de priver pendant un certain nombre de mois d'une partie du sexe possible, ce que ça fait, en fait. Mmh. Ça, c'est une des questions que je me pose, moi. C'est une très grande question. Ouais, mais on n'en sait rien. Voilà. Et je pense que pendant la grossesse, ce n'est pas le moment de faire un deuil, parce que justement, la grossesse, c'est quelque chose qui est très en rapport avec la vie et la mort. Et cette tristesse-là, ce n'est pas le lieu de cette tristesse-là. Ce n'est pas à ce moment-là que ça se passe. Bon, voilà. Maintenant, tout le monde demande. Hein. Alors, Hélène, pourquoi est-ce que, lors de votre deuxième grossesse, vous avez fait le choix inverse? Pourquoi est-ce que là, vous avez voulu ne pas savoir? Déjà, j'ai beaucoup réfléchi entre mes deux grossesses. Je me suis un peu intéressée en plus à l'éducation un peu non-genrée, à la question d'identité par rapport au sexe, ces choses-là. J'ai aussi des amis, enfin, on a des amis autour de nous qui ont fait cette expérience-là et ça a rendu le truc très rigolo parce qu'on attend d'une part la nouvelle de la naissance, mais en plus après on dit « mais alors c'est quoi ?» Et donc on avait trouvé ça rigolo, enfin moi en tout cas j'avais trouvé ça très rigolo chez les autres. Voilà, et vous aviez d'autres motivations que celle-là ? Mais il y avait des choses que j'avais entendues déjà. Par exemple, il y a une idée que je trouve très belle, c'est que tant qu'on ne connaît pas le sexe de son bébé, il a devant lui une sorte d'éventail de tous les possibles qui est très ouvert. Et finalement, une fois qu'on connaît son sexe, ben, y a la moitié de cet éventail qui s'effondre, quoi, qui disparaît. Et donc j'aimais bien l'idée d'avoir quelque chose voilà, pendant toute ma grossesse, de pouvoir tout imaginer pour lui et pouvoir le protéger aussi des projections des autres, des miennes et des autres. C'est bien, tu vas avoir un garçon et une fille, le choix du roi. Tout ça, on se l'évite quand on ne connaît pas le sexe de son bébé. Oui, je trouve que ça met une pression folle sur ce bébé qui n'a rien demandé, qui est juste à... Ah, c'est un garçon, il va faire du foot, c'est génial. Elle va prendre du rose, elle mettra des jus. Elle achète les chaussons dedans. Elle fera de la cuisine avec maman. Ouais. Bah après, moi, dans mon entourage, c'est pas ça, heureusement. Mais la société. La société a un peu... Même des gens qui sont pleins de bonne volonté. Et le papa, il était du même avis que vous? Il connaît le sexe? Au début, je demandais un peu ce qui me passait par la tête. J'en avais parlé, on avait juste un projet de grossesse. Et bon... quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit, je maintiens un petit peu cette envie. Il s'est replié, il m'a dit « bon, on fait comme tu veux ». Je pense qu'il était persuadé que je ne tiendrais pas. Même les gens autour de moi étaient persuadés que je ne tiendrais pas. Ce n'est pas du tout dans mon tempérament de garder une surprise aussi longtemps. Mais voilà, il s'est plié en disant « bon, on va bien voir comment ça va se passer ». On va dire un truc genré, mais ce que femme veut, quand même. Chantal, on a une question pour vous de Mathilde. Est-ce que ça doit être nécessairement un choix de couple de garder cette surprise ou pas, justement ? Alors, dans ma pratique, j'ai bien sûr trouvé, c'est-à-dire des couples qui... il y en avait un des deux qui savait et pas l'autre. C'est-à-dire qu'au moment de l'échographie, le père ou la mère sait et l'autre non. Et puis, en général, l'échographiste donne le sexe à celui qui demande dans une enveloppe fermée. D'accord. Mystérieux. Enfin, c'était cette pratique-là que j'ai beaucoup ça, c'est vu fort, faire. Ça, c'est fort, ça. Après, c'est fort. Alors, voilà. Après, ça donne quand même un déséquilibre. Et c'est un déséquilibre qui se rajoute au déséquilibre de la grossesse, hein. Et puis après, il y a tous les jeux dans le couple qui va savoir, qui essaye de chercher ce qu'elle, elle sait, que lui ne sait pas, ou inversement, des deux côtés. Donc, je trouve que l'attitude de votre compagnon, c'était la bonne. Que les deux ne savent pas, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça a changé de ne pas savoir lors de cette deuxième grossesse, Hélène ? Mais ça ouvre l'imaginaire sur plein de choses, en fait. J'ai passé ma grossesse à imaginer. Au début, je pensais que ce serait une fille, parce que je m'étais dit, j'ai eu un garçon, je vais avoir une fille. Puis après, je me suis dit, en même temps, un garçon, pourquoi pas. Puis en plus, ça aide un peu à faire la paix avec les deux scénarios, parce qu'on se dit, j'ai adoré avoir un garçon, donc j'adorerais sûrement en avoir un deuxième. Je trouve que ça laisse l'imagination aller un peu dans tous les sens. Et, j'aimais bien aussi imaginer le grand frère, Anatole. Comment il allait être avec une petite sœur, avec un petit frère, qu'est-ce que ça allait être que cette nouvelle fratrie. Enfin, j'aimais bien, c'était très ouvert, donc c'était chouette. Chantal, vous qui avez vu toutes les situations possibles dans votre carrière, quel bénéfice il y a à ne pas savoir le sexe ? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je dirais quelque chose qui me semble un peu évident, c'est ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que ça avait protégé son bébé de ses propres projections et de celles des autres.
cette protection va vraiment avec le sentiment maternel. C'est la première chose qu'un parent fait vis-à-vis d'un enfant, c'est d'essayer de le protéger. Et cette infraction par le savoir, la maîtrise, une certaine maîtrise du savoir sur l'enfant, ça abîme les possibilités qu'ont les mères. Et je trouve ça joli de pouvoir protéger son bébé. Il y a aussi la part de rêve. On peut se rêver mère ou père d'un petit garçon, puis le lendemain, mère ou père d'une petite fille, et puis passer de l'un à l'autre. Oui, c'est ça, le passage de l'un à l'autre. La place du rêve dans la grossesse est essentielle. C'est-à-dire qu'on a 9 mois pour construire dans la tête l'avenir. Construire l'avenir, c'est être du côté de la vie. C'est d'ailleurs le propre de la vieillesse, d'un seul coup, de parler de son passé. Oui. Et d'un seul coup, d'avoir les projecteurs dans l'autre sens. Oui, il y a des gens très jeunes qui parlent tout le temps du passé. Oui, ils sont déjà vieux. Oui, c'est vrai. On a une question de Justine qui nous dit « Je ne connaissais pas le sexe de mon futur enfant, ça m'a empêché de me projeter. » Est-ce que c'est cette raison-là qui fait qu'on n'arrive pas à se projeter ? Alors, c'est intéressant, mais ce n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que ce que veut probablement dire Justine, c'est que ça lui a empêché de choisir les fringues, que ça lui a empêché de mettre du rose ou du bleu sur les murs. C'est plutôt logistique, vous voulez dire ? C'est justement une projection un peu dans le présent immédiat. Ouais. Voilà. Alors que ce dont on parlait, entre autres la question de Benjamin sur le rêve, c'est quelque chose de beaucoup plus flou et donc de plus poétique. C'est une autre hauteur de vue. C'est la place de la poésie. Et c'est quoi la poésie ? C'est justement la place des poètes dans la vie. C'est ceux qui disent avant, ceux qui prédisent avec leur sensibilité. Chantal, vous nous avez manqué, je vous jure, vraiment. Croyez-moi. Alors, comme vous, Hélène, Laura et Jérémy ont choisi de ne pas connaître le sexe de leur bébé, Bérénice Gabriel les a suivis lors de leur deuxième échographie. Le gel, ça va être froid. Allez, c'est parti. On se rapproche du sexe, donc vous allez fermer les yeux. Moi, je continue à faire l'examen. Je vous explique ce que je vois. Et bien sûr, je ne vous dis rien au niveau du sexe. Okay. Docteur, en fait, c'est trop excitant, je trouve, même de fermer les yeux et de se dire que là, le docteur ne sait pas de nous et qu'on va attendre la surprise. À peu près 10% des patients ne souhaitent pas connaître le sexe. Je vais leur expliquer, par exemple, un truc tout bête, mais dire que pendant l'examen, on dit « il », mais c'est pour le bébé. Très souvent, ils pensent qu'on fait une gaffe. Leur expliquer également qu'il va y avoir une analyse du sexe et au cours de cette analyse, il vaut mieux demander de fermer les yeux. Non pas qu'ils peuvent le voir, parce que ça reste quand même compliqué à voir pour un couple, mais c'est plus pour pas qu'il y ait de sous-entendus ou alors de doutes et qu'après, ça soit des questionnements éternels entre eux. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Moi, je pense que c'est un petit mec. Alors Hélène, justement, est-ce que vous avez vécu différemment les échographies avec votre deuxième bébé, sachant qu'on le rappelle, vous ne vouliez pas connaître le sexe lors de votre deuxième grossesse, alors que vous vouliez connaître lors de votre première. Est-ce que du coup, les échographies, c'était différent ? Déjà, c'est un peu moins excitant, non ? Parce que normalement, l'échographie du deuxième, elle est excitante parce qu'on va connaître le sexe du bébé. Ben là, l'excitation, c'est de trouver le moyen de ne pas le savoir. Donc, on se prépare. Très bonne réponse. On avait une petite organisation quand on se disait... Bon, déjà, mon mari, avant, il me demandait à chaque fois, t'es sûre ? Oui, je suis sûre, on continue. Et puis après, l'idée, c'était de le dire très vite à l'échographiste pour dire « Attention, on ne veut pas savoir ». C'était de fermer les yeux ou de regarder ailleurs pendant tout le moment où l'échographiste va aller regarder les parties génitales. Voilà. Moi, j'avais même une petite astuce qui était de surtout pas regarder normalement dès le début quand on pose la sonde, parce que je me disais, ça se trouve, ça va tomber pile dessus. Vous êtes sûr, parce que moi, ça aurait pu tomber pile dessus, j'aurais jamais... Moi non plus. Moi, j'aurais dit, ah, tiens, c'est la rate, quoi. Oui, c'est ça. Et dites-moi. Bon, il y a eu quand même un jour où ça a failli... ça a été chaud boulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, mon écho des 5 mois morphologique, elle avait été programmée un petit peu tôt dans ma grossesse. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas vues, que l'échographiste n'a pas vues. Donc, on a dû reprogrammer 2 semaines plus tard. On n'avait pas vraiment le choix dans le calendrier. Mon mari n'a pas pu venir, donc j'étais toute seule. Et à l'écho d'avant, mon bébé était en transverse, quoi, dans ce sens-là. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit mis les fesses en bas. Et la personne qui m'a fait l'échographie a mis la sonde dans le bas du ventre. Je me suis dit, bon, aucun risque. Et là, on tombe sous les jambes, enfin, sous les fesses.
Donc je crois avoir quelque chose. Je dis rien. On fait toute la vérification du côté de la santé déjà qui était plus importante. Et puis au bout d'un moment, bon, je dis à l'échographiste, bon, je crois que j'ai vu quelque chose. Mmh. Et alors maintenant, je me dis qu'elle était très bonne comédienne parce qu'elle a fait ah bon, mais quand? Je dis, tout au début, non, ça ne me dit rien. Vous avez vu quoi? Alors je dis, je crois que j'ai vu que c'était un garçon. On dit, vous savez, on peut confondre avec le cordon, ça arrive, elle m'a bien... Elle vous a bien embrouillé. Très bien, très bonne échographie. C'est ça. Mais ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs, j'imagine qu'on peut voir des petites choses qui ressemblent à un petit zizi, en fait, c'est complètement autre chose. Mais est-ce que ça a un peu influencé la suite de votre grossesse, vos projections? Est-ce que vous vous disiez quand même, ah, je n'ai pas rêvé, je l'ai vu? C'est ça. Déjà, je suis sortie un peu déçue en me disant, mince, si j'ai vu, c'est dommage. Je suis allée regarder sur Internet. Je me suis dit, bon, alors, à quoi ça ressemble un zizi de garçon à tant de mois de grossesse vu d'en dessous? Vous avez rien trouvé? Bah non, j'ai rien trouvé. Pourtant, on trouve plein de choses, mais ça, je n'ai pas trouvé. Puis c'est mon mari, quand je l'ai revu, je lui ai dit, bon, je crois que je sais, tout ça. Et puis il m'a dit, écoute, en fait, on ne sait pas. Vu ce qu'elle t'a répondu, tu crois que tu sais, mais en fait, tu crois aussi que tu ne sais pas. Et donc, finalement, on s'est rangé à cette idée que, de toute façon, on n'avait aucune certitude et que la surprise restait. C'est ça. La même, quoi. Est-ce que les échographies, Chantal Birman, sont vécues différemment quand on ne veut pas connaître le sexe de son enfant? Elles sont dans cette protection qu'elle dit. En même temps, toutes les femmes, au moment des échographies, savent qu'il y a un risque de révélation au moment de l'échographie, notamment l'échomorphose. C'est-à-dire celle où, et c'est quoi le risque? Qu'on annonce une malformation morphologique, puisqu'elle est là pour ça, quand même, cette échographie. Il y a donc, dans le vécu des femmes, les grossesses, que ce soit avec l'HT21 qui va permettre des suspensions comme ça dans le temps des grossesses en attendant des réponses, comme la deuxième échographie. Donc il y a des angoisses qui sont mises par les nouvelles techniques médicales dont on ne peut pas se passer, mais auxquelles il faudrait réfléchir, qui suspendent les temps de grossesse, qui font des discontinuités dans les temps de grossesse, c'est-à-dire que il y a beaucoup de femmes, la majorité des femmes, qui se disent si mon enfant est mal formé, je vais faire une interruption médicale de grossesse, bien sûr. C'est ça. Et toutes ces suspensions, là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas exactement quelles sont les répercussions. Et de toute façon, les répercussions, elles sont différentes en fonction des gens et de leur histoire. C'est ça. Il y a aussi toutes les réactions de l'entourage. Nous, on a fait aussi la surprise et personne ne nous croyait. Les gens se disaient non. Les gens sont frustrés. C'est quelque chose qui va avec notre société. Ça, c'est intéressant. C'est parce que avant, avec les formes de ventre, etc., les gens disaient... ça va être un garçon, ça va être une fille. Et c'était une façon pour l'entourage, le social, d'exister, parce que c'est quand même une histoire très, très intime de la femme au bébé, et puis du compagnon, qui lui aussi attend un enfant. Et puis après, des grands-parents, etc. Puis les cercles s'élargissent, les copains, les copines. Bon. Et là, d'un seul coup, il y a une existence qui est là et qui permet de dire des choses qui sont de l'ordre de ce qui est dans les récits, c'est-à-dire de la fée qui est au-dessus du berceau et qui va prédire avant. Comme j'ai parlé tout à l'heure du poète, mais c'est aussi la prédiction. Et quelque part, le vecteur dynamique de la prédiction, c'est le sort. C'est là où on jette des sorts. D'accord. Hélène, qu'est-ce que vous aviez prévu alors pour l'accouchement? Est-ce que vous aviez déjà fait un projet de naissance en stipulant que vous ne connaissiez pas le sexe? C'est ça. On avait écrit un projet de naissance. On avait écrit j'avais écrit surtout que j'avais envie d'accoucher sur le côté, que j'avais envie de pouvoir accueillir mon bébé, de le mettre contre moi, et qu'avec le père, on puisse tous les deux, au même moment, découvrir le sexe. C'est à peu près passé comme ça, sauf qu'on ne s'est pas trop compris. Moi, j'ai dit, t'as vu? J'ai cru qu'il avait dit oui, mais en fait, il ne m'avait pas dit oui. J'ai regardé, j'ai vu, j'ai dit, t'as vu, c'est un garçon? Il m'a dit, non, je n'avais pas vu. Enfin, bref. Mais ça ne l'a pas marqué plus que ça. Même, je crois que lui, il était surtout très... Il a été vraiment surpris. Au contraire, ce n'était pas sa priorité du tout, quoi. Savoir le sexe sur le moment. Ce n'était pas ça qu'il attendait. Chantal Birman, qu'est-ce que ça change, alors, à l'accouchement, de ne pas savoir si c'est un garçon ou une fille? Justement, je trouve que les temps de révélation ne sont pas les mêmes. Quand les couples ne savent pas le sexe que c'est, il y a le premier temps de l'accouchement. Si le monsieur est normalement cortiqué, qu'il aime sa femme et qu'il est un peu dans l'admiration par rapport à elle, il va l'accompagner là-dedans et il va vivre des choses au plus près de sa femme. Et donc, ce qui va être en priorité dans son cerveau à lui, ça va être...
je répète, s'il est normalement cortiqué, quelque chose qui est de l'ordre de l'admiration pour sa femme. Alors, la deuxième chose, ça va être que, à l'issue de l'accouchement, sa femme est vivante, son bébé est vivant, tout le monde va bien, ça va être son deuxième. Et ça, c'est la première chose pour sa femme, par contre, elle, c'est que l'enfant soit vivant. Et très longtemps après, ce n'est pas tellement important de savoir si c'est un garçon ou une fille. Et justement, il y a cette espèce de temps de flottement qui est une espèce de rentrée en douceur, cotonneuse, hydrophile, à l'intérieur de l'autre et de la révélation de qui est l'autre. Parce que c'est vrai que pour les... Moi, j'ai des copines, par exemple, qui étaient obsédées par l'idée d'avoir une fille. Je me souviens, j'en ai plein. Et qui étaient super déçues aux échographies de voir que c'est un garçon. Mais vraiment, c'est un vrai deuil à faire. Elles étaient... Elles sont super mal. Quelque chose, moi, personnellement, je n'ai pas compris, mais j'en ai vu. Est-ce que ce n'est pas plus, du coup, mieux de le savoir pendant la grossesse plutôt que de découvrir son bébé et de faire « Oh non, c'est un garçon !» Ce n'est pas les mêmes moments. Ça passera mieux avec du fait de la rencontre, quoi. C'est ça que vous dites Pendant la grossesse, c'est une interruption du fantasme. Mmh. Alors qu'au moment de l'accouchement, c'est une rencontre avec le réel. C'est ça. Et on n'est pas dans les mêmes choses et les mêmes démarches sur un plan psychique. C'est ça. Très intéressant. Vous avez déjà vu des parents vraiment déçus, même si malgré ça, ils sont face au réel, mais un garçon, je veux échanger. Non. Oui, si, j'ai vu des parents vraiment déçus, bien sûr. Bon, ça passe hein, avec ça le passe. Temps. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi que souvent, on entend des couples qui disent « Ah, moi, on espère un garçon », puis on a appris que c'était une fille, on était trop contents, ou l'inverse. Dans la majorité des cas, c'est des déceptions relatives, quand même. Voilà, c'est des déceptions relatives. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi le fait que, en fait, les couples font en moyenne 2 enfants par couple. On se rattrape pas. Et donc, même si c'est 2 petits garçons ou 2 petites filles, c'est pas grave. C'est plus décevant quand c'est la 11e petite fille ou le 11e petit garçon, si vous préférez. Là, On a eu un témoignage de Charlène qui va vous parler. Elle dit « Lorsque j'ai accouché de Paul, mon premier enfant, nous ne connaissions pas le sexe et ce n'est pas ce qu'on a regardé en premier. Finalement, on peut conclure en disant que ce n'est pas ce qui est le plus important dans son témoignage. Le sexe arrive en dernière position, ce que vous disiez. Et vous, c'était votre cas aussi. Mmh. Oui, on peut conclure comme ça, mais on peut aussi conclure sur un plan mondial et se dire qu'aujourd'hui, ces révélations de sexe suffisamment tôt, eh bien, il y a des pays... entre autres, en plus, les plus peuplés au monde, qui sont par exemple la Chine et l'Inde, Mumbai, qui est le nom indien de Bombay, dans les quartiers les plus pauvres, du fait de la situation des femmes, d'ailleurs... Il vaut mieux être enceinte d'un garçon. Bah, ce n'est pas qu'il vaut mieux être enceinte d'un garçon, c'est que les petites filles, elles sont avortées en tant qu'embryon. Et actuellement, il manque 40% de petites filles à l'appel. Et donc, on déséquilibre le quota garçon-fille. Et ça entraîne quoi ? Ça entraîne plus de violence, ça entraîne plus de prostitution, ça entraîne plus de maltraitance aussi des petites filles à la naissance. Donc, plus de mortalité de petites filles que de petits garçons dans les pays pauvres. Ça, c'est général. Voilà. Donc, moi, je tenais quand même à dire que c'est pas... Tout n'est pas très léger. Et puis, il y a aussi, dans cet équilibre, il y a aussi un équilibre des pulsions belliqueuses qui sont équilibrées par les quotas garçons-filles dans les pays. Voilà, je crois qu'il ne faut pas toucher à ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, Hélène, quand vous avez vu que c'était un garçon ? Donc, vous aviez déjà un petit garçon, on le reprécise à nos téléspectateurs. C'était un deuxième petit garçon. Alors, je crois que je n'ai pas réalisé tout de suite. C'est quand on m'a demandé le prénom, en fait. On m'a dit, alors, comment il va s'appeler ? Alors là, je leur ai dit, attendez, je pleure 2 secondes. Pleurer, et après, laissez-moi pleurer. Laissez-moi pleurer. Et là, en fait, de dire son prénom, de dire Léonard, à la fois, j'ai réalisé, ça y est, c'est lui. Et en même temps, il y a une partie de ma tête qui a dit, oui, mais l'autre, on imaginait, si c'était une fille, ce serait Lily. Bah, Lily, on l'aura pas. En plus, c'était ma dernière grossesse. Donc, et c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu ambivalent. C'est pas de la tristesse, mais il y a un côté que j'avais pas anticipé quand même. Ce que vous disiez tout à l'heure, faut faire le deuil aussi de son autre bébé imaginaire. Et vous l'auriez eu évidemment à l'inverse si ça avait été petite Lily et pas Léonard. Oui, c'est vrai que c'est intéressant hein, quand même s'il se passe dans nos têtes quand on parle du sexe du bébé, alors que c'est vrai qu'on en parle généralement de façon très très légère. Oh, je vais faire la surprise. Moi, je me suis toujours dit, de toute façon, la surprise, si c'est qu'une question de surprise, on l'a tout autant à l'échographie que quand on est à l'accouchement. Mais
apparemment la rencontre plus la surprise, ça fait un truc encore mieux. Vous ferez votre choix, hein, c'est vous qui décidez de toute façon. Chantal Birman, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous le savez que je veux vivre avec vous. Ah, mais attendez, je suis aussi d'accord, c'est une vraie déclaration. Oui, oui, bah, c'est-à-dire que bah, j'ai quand même une maison où il y a une chambre, hein, donc vous pourriez peut-être venir vous installer, on discuterait comme ça, le bout de gras, matin, midi et soir. Ma passion. Merci beaucoup d'être venue dans la maison des maternelles. Merci Hélène d'être venue parler de vos deux grossesses différentes du coup. Hein. Vous diriez qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, j'imagine, grâce à ça. Et c'était le but aussi, de les différencier bien justement dans le souvenir. Merci à Floriane Gillette qui elle-même va bientôt vivre ça, d'avoir préparé ce dossier. Toujours à propos du sexe du bébé, à suivre les conseils de notre pédiatre, comment prendre soin et nettoyer le zizi des petits garçons. Grande question que se posent les jeunes parents dont vous êtes, si vous êtes une mère de garçon, vous connaissez. En attendant, on a un appel à témoin, Benjamin. Manque de sommeil, d'énergie ou de temps, libido en berne, les premiers mois après la naissance d'un bébé peuvent mettre le couple à rude épreuve, ça on le sait. Alors si vous avez vécu ce que l'on appelle un baby clash, venez partager avec nous cette expérience, comment les conflits ont débuté, avez-vous réussi à surmonter cette crise? Si oui, comment? Ça aussi, ça nous intéresse. Pour témoigner dans la maison des maternelles, vous nous écrivez lmdm@2p2l.com, le caron. C'est l'heure de pratiquer. Ah, comment il m'appelle? J'ai peur. Ordre plus contre-ordre égale désordre. Ouais, c'est ça. Réfléchir, c'est désobéir. Je connais plein de trucs de l'armée. Oui, visiblement. Ouais, ouais, pourtant, je n'ai pas fait mes classes, malgré mon âge. Alors, comment nettoyer le zizi d'un bébé sans transition? Le bébé d'un garçon, le zizi d'un garçon, est-ce qu'il faut le décaloter? Qu'est-ce que le phimosis ou le paraphimosis? On va répondre à toutes ces questions que vous vous posez si vous avez des garçons ou si vous allez en avoir et que vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Alors Arnaud, le zizi de leur enfant, évidemment pour les parents c'est un peu tabou. Est-ce que vous sentez déjà en consultation qu'on n'ose pas vous poser des questions? Alors, en fait, on le sent dès la naissance. C'est quand ça. On fait, et c'est un peu notre rôle d'anticiper. De mettre à l'aise. De mettre à l'aise. On examine le bébé, il a un jour, deux jours, l'examen à la maternité. On examine tout, on vérifie bien entendu que tout se passe bien de ce côté-là. Et là, pendant qu'on y est, on en profite pour faire un petit rappel. Et là, alors, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je fais régulièrement un pitch là-dessus, en leur disant, ben voilà, à quoi ressemble un zizi, voilà ce que c'est que le prépuce. Et très curieusement, on réalise que, et les mamans et les papas, souvent, ne connaissent pas bien l'anatomie. Même les papas, voilà. Mais même les papas. Et très souvent, les mamans disent, ben, c'est le papa qui s'en occupera, et les papas, souvent, ne le font pas, parce que ça les gêne un peu. Alors là, on fait un petit rappel simplement de l'anatomie pour montrer la forme. On a le gland qui est au bout, avec le méa, c'est-à-dire par là où sortent les urines. Ce qu'on voit marqué la couronne, c'est la base du gland. Et là où il y a marqué prépuce, eh bien là, le pénis est complètement décaloté sur l'image qu'on voit là. Alors évidemment, la naissance, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors justement, on va parler un peu décalotage. On a reçu une question vidéo de Séverine qu'on va écouter. Coucou la maison des maternelles, voilà, donc je voulais vous poser une question à propos du décalotage pour les petits garçons. D'autres disent qu'il ne faut pas décaloter nos bébés et d'autres médecins de la vieille école disent qu'il faut le faire très tôt. Donc on est un peu perdu dans tout ça. Merci, je vous embrasse. Non, c'est vrai parce qu'on entend vraiment tout et son contraire, j'en suis le témoin. J'ai eu deux pédiatres qui m'ont dit des choses complètement différentes. Ah, les pédiatres. Ouais, franchement, les pédiatres, c'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas bon, non, mais... ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut rien faire dès la naissance. Le bout du zizi, la peau qui recouvre le gland chez un bébé est toujours très serrée. L'élasticité du prépuce, c'est-à-dire cette peau qui recouvre le gland, va se gagner avec le temps. Donc au début, il ne faut pas chercher à ouvrir. Surtout pas. Il y a juste la place pour laisser passer le jet urinaire. Mmh. Et puis, nous montrons aux parents, ben voilà, quand votre enfant aura 6 mois, 8 mois, 1 an, dans le bain, parce que souvent, à la fin du bain, ça marche bien, parce que l'eau un peu chaude détend un peu la peau, et nous leur montrons, alors évidemment, on ne peut pas le faire là, mais nous leur montrons en consultation comment on fait pour tenir la verge et comment on tire un tout petit peu. On ne cherche pas à ouvrir. Voilà. Alors là, on a un visuel qui est tout à fait bien. On voit à gauche un pénis tout à fait normal, avec la peau qui recouvre entièrement le sexe du bébé. Et sur la droite, on voit... le bébé qui est complètement décaloté. Voilà la position qu'il doit y avoir habituellement. Mais ça ne s'obtient en général que vers 16 mois, 18 mois, 2 ans,
3 ans parfois, parce que parfois ça met du temps, la peau va devoir devenir élastique, et puis il y a des adhérences souvent qui peuvent apparaître. Et donc on n'a pas besoin de nettoyer le prépuce de son bébé avant, c'est pas sale, je veux Alors, dire. Alors, il est certain que les urines qui passent par là, parfois, surtout si le prépuce reste serré assez longtemps, vont stagner un petit peu sous le prépuce. Et parfois, il y en a qui restent sous la peau, sous le prépuce, contre le gland. Et ça peut parfois donner ce qu'on appelle des balanites. Il y a des parents qui ont connu ça, avec un écoulement un peu saumâtre, un peu blanchâtre, et qu'on va traiter localement avec des antibiotiques, dans certains cas, un savon antiseptique. La seule règle, en attendant que le bébé décalote complètement, plus tard donc, c'est de tirer très légèrement, mais pas plus. Il ne faut pas chercher à décaloter. Et pendant le bain, on nettoie ce qu'on voit, on rince, on sèche, mais on ne cherche pas à ouvrir. C'est le médecin qui dira, ben voilà, on peut aller un peu plus loin ou pas. C'est ça. Donc, c'est le pédiatre qui va dire, bon, là, maintenant... Il... Voilà. Mais généralement, d'ailleurs, si je peux me permettre, ils apprennent directement à l'enfant. Hein, alors, après l'enfant, bon, quand l'enfant, par exemple, a 2 ans, moi, je dis aux parents, 2 ans ou 3 ans, c'est l'enfant qui va faire. Et nous, en tant que professionnels de santé, on montre à l'enfant, et je n'hésite pas à dire aux garçons, tu sais, c'est toi qui fais maintenant, tu as 3 ans, tu as 4 ans, c'est ton zizi, c'est ton sexe, c'est toi qui dois le toucher, c'est toi qui dois apprendre à faire. Parce qu'après, il ne faut pas non plus qu'il y ait quelque chose qui tourne autour de cette zone-là. C'est ça. Donc, l'enfant va prendre conscience de ça. On peut parler juste du phimosis et du... Alors, le phimosis, c'est quand un prépuce est trop serré et qu'on n'arrive pas, à l'âge de 2 ou 3 ans, à décaloter. Là, on a des traitements locaux avec des crèmes corticoïdes. Mmh. Et dans certains cas rares, il faudra faire une circoncision, soit locale, partielle, soit une circoncision complète. Et on peut avoir, lors de certains décalotages, si le prépuce au bout reste très serré, on décalote, mais on n'arrive pas à remettre en place. Et c'est souvent ça qui foudroie un peu les parents. Ils en ont peur de ça. Il ne faut pas qu'ils en aient peur. C'est très rare. Il y a des techniques pour remettre en place. On le voit sur l'image qui est là. À droite, ça fait une espèce de collerette. C'est très rare. Et on remet en place tranquillement. Donc, c'est toujours important de bien remettre le gland dans la peau et de bien tout remonter après. Alors, on a fait les petits garçons ce matin, on fera les petites filles, évidemment, on fera un tuto, puisqu'il y a aussi des choses à savoir sur le sexe des petites filles. Merci beaucoup, docteur. Comment choisir les premières chaussures de son tout petit, même s'il est très bon? Oui, sans transition, Marie, oui, sans transition. Ben oui, mais enfin, en même temps, c'est toujours pareil. Hein. Bref, les chaussures, on les laisse... Bon, merci, Marie. Bon, allez, c'est l'heure de tester. Chaussures, quoi. Oh, les chaussures. Ah, je suis pas aidée, hein. Quête, chouette, avec ça, c'est sympa, faire, tu verras. Viens, vas-y, ramène-toi. Puis qu'à 81 ans. Ah, je vous rassure. Alors, mon petit chou, pour laisser les enfants pieds nus, voilà, quand même, les bébés. Regardez, Simone est pieds nus. Ah, Simone est sale aussi. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas hyper clean. Bon, Simone était dans un tiroir jusqu'à il y a peu de temps. Pourquoi on laisse nos bébés pieds nus et pourquoi on le répète? Parce que c'est très important que ces petits capteurs-là, que Simone a sous les pieds, puissent se développer sans incidence. Alors, pourquoi ces petits capteurs sont importants? Parce qu'ils vont fournir 2 types d'informations. Des informations sur comment est le sol, est-ce qu'il est froid, chaud, est-ce qu'il est glissant, est-ce qu'il est granuleux. Et puis, ça va fournir aussi des informations sur la posture que le bébé va devoir adopter pour se maintenir justement sur ce sol-là. Donc, ça va être tout son équilibre qui va se construire dans ces petits nerfs qui sont sous son pied. Donc, l'important, c'est vraiment que cette voûte plantaire soit le plus en contact avec le sol. Donc, évidemment, à la maison, vous l'avez vu dans le sommaire, on promeut les chaussons en cuir avec le moins de semelles possible. Et on va pouvoir les mettre, si vous avez vraiment envie de les protéger contre un carrelage, etc. On va mettre des chaussons en cuir le plus souple possible. Évidemment, on va avoir envie ensuite de protéger les pieds de son bébé quand il va faire ses premiers pas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, dehors, il peut y avoir des feuilles, des flaques. Donc, il faut protéger les pieds du bébé. Donc, on va avoir une évolution entre ses premiers pas et puis un enfant qui va grandir et cavaler vers 2-3 ans et qui aura une marche très assurée. Donc moi, j'aime beaucoup pouvoir évoluer du chausson à la chaussure. Donc entre les deux, je vous montre un petit modèle qui a été conçu par Bobux, qui est une des marques phares que je présente parce que je l'aime beaucoup, puisqu'eux, ils ont vraiment eu cette intelligence de capter chaque moment de la marche de l'enfant. Donc regardez-moi ces petits chaussons. Là, on est vraiment dans l'intermédiaire entre le chausson de cuir très souple et la chaussure. C'est-à-dire qu'on va avoir une semelle un tout petit peu plus épaisse, vous allez voir, qu'on va pouvoir marcher en extérieur avec. Alors, pardon, Simone, mais on va avoir un chausson qui va pouvoir se plier le plus possible. Donc là, on va retrouver les caractéristiques que je vais vous montrer ensuite dans les chaussures, c'est-à-dire un pied qui va être complètement libre à l'intérieur, une souplesse autour pour ne rien écraser du tout, et puis voilà, ça,
Ça, c'est vraiment la génial. La semelle la plus souple. Donc, on va aller chez son chausseur. C'est important de pouvoir les essayer ou en tout cas d'aller sur des sites qui permettent de choisir au mieux. Il y a Petit Pas de Géant qui le fait très bien et qui a fait une sélection justement de marques en ce sens. Et d'aller contre ces gens qui vous disent il faut des chaussures rigides, solides, qui tiennent. Non, non, pas du tout. Il faut des chaussures dans lesquelles le pied va continuer à vivre. Donc, les premières chaussures danoises sont de la marque Bisgaard. Regardez, c'est celle que j'avais en début d'émission. Elles sont présentes chez Manupani. Bah, regardez-moi ça, c'est mignon comme tout. Chou. Donc là aussi, on va avoir une chaussure très, très flexible. On a un pied qui va pouvoir se glisser à l'intérieur de manière... Je crois que même que, si je ne me trompe pas, c'est en Ecotex puisque c'est danois. Et puis, on a surtout une voûte plantaire qui va être complètement lisse. Et ça, c'est très important. On va le retrouver également chez Bobux, cette voûte plantaire complètement lisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez l'impression que les pieds du bébé sont plats. Mais c'est faux, en fait. Jusque 4 ans, on va avoir cette impression de pied plat. C'est complètement faux. Il faut juste que la voûte plantaire se développe. Et pour ça, il faut qu'il y ait une semelle, une voûte plantaire plate. Donc, vous voyez que là encore, schlack, ça, c'est Bobux. Modèle imperméable, ma passion depuis que j'habite en Belgique, hein, je peux vous le dire. Oui, ça, je peux vous comprendre. Voilà. Pour y avoir vécu. Voilà. Donc, on va privilégier des chaussures qui s'enfilent facilement, qui ont des scratchs ou des lacets. Ça, c'est vraiment comme vous préférez. Moi, je suis très scratch, mais vous pouvez prendre des lacets. Qui n'écrase pas la malléole. Les écoles sont très scratch aussi, oui, hein, si les... je peux me permettre. Donc, il vaut mieux les habituer. Voilà, donc je répétais, vraiment très souple, pas de voûte plantaire et rien qui n'écrase la malléole. Là, vous avez l'impression qu'elles sont moins souples. Mmh. Mais les Bobux fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que votre enfant va les avoir mis, elle va vraiment se mouler au pied et elle va pouvoir ensuite se plier au fur et à mesure. Bobux a décliné évidemment dans des bottes de pluie qui sont canons et on retrouve toujours cette espèce d'ouverture très facile pour l'enfant et le parent. Et à l'intérieur, encore une fois, pas de voûte plantaire et puis toujours très très beau. Lilliputsy fait des petits chaussons, chaussures qui se mettent en extérieur aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'importance d'avoir une semelle schlack toute fine. Eh bien là, voilà, c'est parfait. Alors évidemment, pas quand il pleut des cordes ou quand il neige, mais ces petites bottines vont vous permettre de passer, en tout cas à votre bébé, un hiver au chaud. Oui, c'est ça, ce qui ne bouge pas. N'oubliez pas qu'il ne bouge pas. Alors les pieds, les extrémités, c'est important. Et là, on a 3 couches de cuir et de mousse pour avoir un bon appui sur le sol. Je vais continuer avec mes petites boxes parce que je sais que l'hiver approche et que surtout il pleut. Je suis un peu passionnée par la pluie. Boxes, ce sont des bottes qui vont remplir exactement ces mêmes conditions. Elles sont très légères. Regardez-moi ça. Elles sont imperméables. Ah oui, elles sont très chaudes et on va avoir encore une entrée parfaite. Je termine avec, pour les grands, quand ils marchent, quand ils cavalent, parce que ce n'est pas toujours facile, une marque française qui s'appelle Nawak et qui a aussi travaillé justement avec des podologues pour proposer des chaussures très, très confortables aux enfants. Là aussi, on va avoir une semelle bien souple, facile à enfiler et on va pouvoir monter un tout petit peu en hauteur, proposer des bottines qui maintiennent un tout petit peu plus le pied sans écraser les malléoles. Et ça, c'est parfait. Donc, c'est Nawak, c'est français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tiens, ma c'est de la qualité. Allez, oh, si, si. Allez, mon petit si, si. Tiens, mets ça, mets ton petit pouce dans la Mets tes godasses et ton petit pouce dans la bouche. Oh. Allez, hein, ne laissez jamais un bébé comme ça sans surveillance. Hein, mais là, c'est Simone. Alors, si jamais vous avez besoin de réponses à vos questions, la Maison des Maternelles est ouverte 24 heures sur 24 grâce au site lamaisondesmaternelles.fr. Donc, il faut y aller de jour comme de nuit. Docteur Pfersdorf y officie en vidéo, je peux vous dire, plus que jamais. Benjamin aussi, d'ailleurs. Et Benjamin a officié avec ses prénoms pour vous donner des idées chaque jour. Le prénom du jour, c'est Nora. Quel beau prénom, Nora. Nora, c'est un prénom dérivé d'Éléonore. Ça vient du grec Éléos. Éléos qui veut dire en grec compassion. Arnaud, comme vous le saviez. Nora, c'est apparu en France dans les années 60. C'était très rare à l'époque, mais depuis 2005, fort engouement. On compte 300 petites Nora qui naissent chaque année. Son pic, c'était en 2009, avec 500 naissances. On les fête les 25 juin. Et alors, des Nora célèbres, évidemment. Nora Jones. Nora Jones, merci Marie. Et Nora... Nora Hamzaoui, bien sûr. Hamzaoui, c'est ce que j'allais dire. Très drôle, qui était venue nous voir il y a 2-3 ans. Oui, c'est vrai. Qui officie sur Canal, si je ne m'abuse. Quotidien. Voilà. Ah non, ben maintenant c'est TMC, Canal, pardon. Depuis 10 ans. C'est ça, ça fait 10 ans que c'est plus Canal. Mon petit chou, vous faites vite un livre pour essayer de faire passer l'erreur que j'ai faite. Coup de cœur qui s'appelle Talisman aux éditions Thierry Magnier. On parle souvent du pouvoir magique des livres, et bien celui-ci en atteint, n'importe quoi, en a un. Un livre, oui, écoutez, après l'allemand... Oh, il y a 7 exemplaires de ce livre. Ça va t'aller, non, 7 exemplaires? Ça va t'aller très bien. Quand on veut essayer d'arrêter de se ronger les ongles ou de sucer son pouce, eh bien, ma foi, on va pouvoir décrocher un petit talisman. Voilà, il y a toute une recette, une petite formule magique et puis ce petit talisman à prendre. Alors à chaque page, on va découvrir un petit souci ou un tracas du quotidien quand on veut arrêter de faire des cauchemars, quand on est fâché et qu'on veut fortement le faire savoir. Voilà, donc il y a énormément de choses qui peuvent arriver à nos enfants, des illustrations divines
et puis très joli, sublime. Voilà. Sachez, parce que j'ai reçu plein de questions sur mes réseaux récemment, que toutes les références, vous les retrouvez sur la page de la Maison des Maternelles sur Facebook et sur Instagram. Merci d'avoir été avec nous. Merci, docteur Pfersdorf. Merci. C'est toujours un bonheur. Merci, Benjamin. Merci, Marie. On se retrouve tous les matins à 9h sur France 5. On se quitte avec Nora. Et les bébés du jour, reproduisez-vous. À demain jeudi.